Bonjour à tous et bienvenue sur la petite chaîne dédiée à la pêche en mer. Bonjour à tous et merci de suivre ce petit programme dans lequel je vais vous donner tous mes conseils pour réussir votre pêche en mer. Bon, c'est plus une surprise puisque le catalogue 2024 est sorti, donc aujourd'hui, regardons un peu les petites nouveautés de l'année prochaine. Commençons d'abord par le slug hilo. Ceux qui me suivent le savent, je trouve la nage de ce leurre magnifique. Cette année, deux nouvelles couleurs viendront renforcer la gamme avec un magnifique blanc et un dos doré. J'ai la chance de les tester depuis bientôt 2 mois et ces couleurs sont redoutables. Pour ceux qui trouvaient le grammage un peu léger pour la pêche en bateau, une version en 160 mm et 31 g verra le jour très prochainement. Autre pépite 2024, le nouveau Osarda. La forme, la ligne et la gomme ont été complètement revues et corrigées pour ce leurre. Disponible en deux tailles, 80 mm pour un total de 11 g et 100 mm d'un poids total de 25 g, il sera disponible dans de nombreux coloris, blanc ou noir, dos vert ou dos bleu. Celui-là aussi, j'ai eu la chance de le tester avant la fraîcheur de l'hiver et il m'aura permis de toucher quelques jolies barres d'automne. Un vrai régal. Par contre, une des nouveautés 2024 que j'ai hâte d'essayer, c'est le Jerkuda. Ce tout nouveau jerkbait, comprenez l'heure que vous allez pouvoir animer par des coups de canne pour le désaxer, est suspending, c'est-à-dire qu'il reste à sa profondeur de nage, soit environ 70 cm sous la couche d'eau. Il mesure 170 mm et est équipé de 3 hameçons VMC. Avec son poids de 31 g et son système d'équilibrage par masselotte, nul doute qu'il puisse se lancer à des distances ahurissantes. Avec son système d'armature intégrale, il peut encaisser les charges de gros poissons bien combatifs. J'aurai l'occasion de vous en parler davantage dès que je l'aurai testé en condition. Alors restez connectés, et si vous ne l'avez pas déjà fait, activez les notifications pour ne rien rater des prochaines sorties vidéo. Bon, je pourrais vous parler pendant des heures de toutes les nouveautés mer présentes cette année dans le catalogue, les nouvelles couleurs pour le Biastos, les nouveaux grammages pour une pêche plus en finesse, les nouvelles tailles et nouvelles couleurs pour les Turlutes et Mika, une nouvelle conception et un nouveau design des cannes surfcasting, mais je vais me concentrer sur mes jouets, les cannes leurre. Là, c'est un festival. Les Helicium 500 sont totalement repensés. Les sions ont été peints et vernis pour une résistance 20% supérieure à la gamme précédente. Elle conserve son bleu électrique très caractéristique de la marque, mais son ergonomie a été totalement repensée avec un design sans rupture, fluide et moderne. Et c'est bien toutes les cannes 500 qui seront disponibles début mars dans cette nouvelle édition. 2m10, 2m40, 2m70, 3m et 3m60. Je devrais recevoir très prochainement la version finale de cette 2m70, donc vous la verrez en action et j'aurai l'occasion de vous en reparler très prochainement. Si vous souhaitez feuilleter ce catalogue d'exception riche de ses 512 pages pour la mer, le carnassier en eau douce, la pêche à la mouche, au posé ou de la carpe, vous trouverez tout ce que vous cherchez et de nombreuses nouveautés. J'espère que cette petite présentation vous donnera l'eau à la bouche et l'envie de découvrir toutes ces pépites 2024 qui vous permettront de prendre beaucoup de poissons et de vous amuser au bord de l'eau. En attendant, je vais essayer de sortir affronter les éléments pour vous présenter toujours plus de contenu. Alors, si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à me laisser un commentaire. On se retrouve ici très vite avec de nouveaux conseils de pêche. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao !